À la suite des conflits armés qui ont endé en septembre dernier la ville de Birao, dans le nord-est de la République centrafricaine, la police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure effectuent ensemble des patrouilles dans les sites des déplacés. Nous sommes là pour assurer leur sécurité. Nous sommes là tous les jours, tous les matins, tous les soirs. On fait des patrouilles conjointes avec FSI dans le site, que ce soit dans le site, que ce soit à l'extérieur du site. Plus de 24 000 personnes ont fui les violences en septembre dernier. Elles ont trouvé refuge près de la base de la MINUSCA et sur l'aéroport. On a tout en fait les sensibilisations dans les sites des déplacés. Et les thèmes aussi diffèrent. Aujourd'hui, on a fait la sensibilisation sur les violences basées sur le genre et surtout sur le cas des viols. Les déplacés sont concernés en premier lieu par la sécurisation des sites où ils sont réfugiés. Et ça, la patrouille. On fait des patrouilles quotidiennes dans les sites de déplacés tous les jours. On les sensibilise sur les méfaits de consommer de la drogue dans les sites et qu'il est strictement interdit d'y apporter des armes. Ces patrouilles mixtes visent à gagner la confiance de la population et à renforcer la cohésion entre les forces gouvernementales et celles de la MINUSCA.